Bon, alors, le psaume 142 dans le psaume 142, le verset 7 s'applique à notre période. Et il se dit comme ça, Akshival Rinati, qui dalotimeod, écoute ma supplication, car je suis tombé vraiment bas et je suis vraiment appauvri. Asileni Mirotfai, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, qui sont nombreux, et surtout ça s'applique à la fin des temps. Qui Amatsu Mimeni, car ils sont plus courageux que moi, bien évidemment, puisque bien plus forts que moi, car en fait leur idéologie est une idéologie de la mort, donc, et en fait sous amphétamine et sous drogue ou virus alien qui les rendent complètement sans peur, parce que bien évidemment ils c'est plus des êtres humains, ils sont sous contrôle de forces obscures. Voilà. Alors je vais prendre les noms de Dieu qui sont marqués dessus et sortir les cinq, les correspondent avec les cinq lettres finales qui sont les cinq pétales de la rose entourante, et puis ensuite dire quelques noms d'anges qui sont reliés à cela. Voilà, que Dieu nous protège et que Dieu protège tous les gens qui sont bons sur cette terre. Yo,
Yosala. Et que la Teshuvah sincère, ainsi que la Hitrorerut, se réveille dans le peuple d'Israël par ces combinations de noms. Yo, yo, yo. Que Dieu protège Tsahal, du Emet et de la vérité. Ve'ouya kevakuya ve'ouel ve'ouya Kevakuel Vehuya. Et que l'épée du bien transperce les forces du mal. Ketakaya. Le kaf de la torse des mains et du kishouf de ceux qui nous font sans arrêt des kishoufim et qui font que le peuple d'Israël est en léthargie, a oublié toute sa sagesse et ses connaissances passées et qu'elles soient résurrectionnées à l'intérieur de leurs âmes afin qu'ils puissent reprendre possession de leur corps et redevenir ce qu'ils ont toujours été à l'origine avant que ne soit brisé le temple. Et que depuis la hider de route, c'est-à-dire le fait de tomber de plus en plus bas et de plus en plus bas,
a toujours été de plus en plus fort dans cette galoute. Et que l'œil de Bilam, qui dans sa force aurait pu détruire le peuple d'Israël à un moment donné, par la puissance du verset Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleraïn et des noms qui en sortent, que cet œil soit détourné vis-à-vis de sa descendance et que les prophéties qui ont été émises par Bilam qui voulait détruire le peuple d'Israël à un moment donné sur ordre de Balak, s'inverse comme sa prophétie qui ensuite a béni le peuple d'Israël. Dag Eon
בפויו תהריון, בפועה צמחיון, עמא צורי יהון, עמא שועה צעשו אוריון. אדוני, עזרי מעים אדוני,
עושה שמיים וארץ. Voilà une petite prière comme ça. Que Dieu vous bénisse tous.